dernier exercice pour bah justement Rudy Giuliani. Pour lui, l'assaut du Capitole, c'est la faute de Game of Thrones. Bon, alors, oui. Alors, voilà, okay. Voilà autre chose, comme dirait Juliette. Et petit exercice autour de la table. On va retrouver si les fictions suivantes sont responsables des événements suivants. A. La stratégie de vaccination en France, c'est la faute de la série Lost. B. Les violences policières, c'est la faute de la série Marie Pervenche. C'est possible. Daniel Evnoux, je peux vous dire, quand elle vous regarde dans les yeux, ça fait mal. Les gilets jaunes, c'est la faute du film Les Municipaux, des Chevaliers du Fiel. Et des les belles audiences des Grosses Têtes, c'est la faute de Walking Dead. Exercice d'actualité à présent, car les personnes prioritaires pour se faire vacciner sont les personnes de plus de 75 ans. Alors dans cette liste, qui peut se faire vacciner dès aujourd'hui? Petit A. Le public d'Alex Vizorek. Petit B, la maîtresse d'Alex Vizorek. Petit C, les chanteurs qui écoutent Alex Vizorek. Petit D, Alex Vizorek lui-même. Alors, c'est pas du tout l'exercice qui était écrit sur ma feuille. J'avais pris une petite feuille dans ma poche. J'ai l'impression qu'il y a eu magouille. Je vous fais le dernier exercice quand même. Oui, oui. Hein, oui. On parle beaucoup de variants ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'un variant? Ça, c'est intéressant. C'est un organisme qui se différencie des autres membres de la même espèce par des caractères mineurs. Et vous vous dites, il est complètement con, il fait l'exercice et il donne la réponse. Eh bien non, c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est dans la liste suivante, retrouver les variants. Okay. A. André Manoukian est le variant arménien de Gilles Deleuze. Ça, c'est joli. Alain Finkielkraut est le variant vieux d'Éric Zemmour. Le couvre-feu de 6h à 18h est le variant 2021 du confinement. Et Alex Vizorek est le variant belge de Stéphane Bern. Il se cite dans les exercices. Oui, mais ça, je l'avais travaillé sérieusement. C'était écrit sur votre feuille, vous le saviez. J'ai l'impression que c'est des exercices spéciaux, Alex Vizorek. Oui. C'est bonne fête. Mais les gens aiment. Hein. J'ai vu les audiences, des gens très demandeurs.